Notre texte pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 16. Le texte, c'est les versets 29 à 33, mais je commencerai la lecture un peu avant, au verset 25. Donc, Jean chapitre 16, à partir du verset 25, à la page 125. Il s'agit donc de la conclusion de l'entretien de Jésus avec ses disciples, après quoi, bien sûr, il y aura la riche et longue prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17, mais le dialogue, l'entretien entre Jésus et ses disciples se conclut ainsi. Verset 25, ⁇ Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi. Pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Prions notre Dieu. Père Céleste, nous avons le privilège de connaître celui qui est vainqueur, le grand vainqueur. En lui, en Jésus, nous trouvons notre refuge, nos forces nouvelles, notre paix. Seigneur notre Dieu, que ta parole nous communique cette victoire par la foi. Fais-nous grandir dans la foi afin que nous recevions une large mesure, une grande richesse de ta paix, de ta force et de cette assurance de la grande victoire que nous avons. En Jésus-Christ, éclaire nos cœurs, nos pensées, guide-nous, soutiens-nous, encourage-nous, transforme-nous par ta bonne parole. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, vivre dans ce monde est une expérience exaltante. Nous vivons dans la bonne création de Dieu qui est remplie de toutes sortes de richesses. Il y a tant de merveilles à découvrir et à développer. Un tas de possibilités s'offrent à nous malgré les circonstances plus difficiles que nous connaissons. Possibilités pour nous et nos enfants pour explorer ce monde, pour étudier, travailler, servir, aider notre prochain, nous aimer les uns les autres, tout ça pour la gloire de Dieu vivre dans ce monde est aussi une expérience dangereuse depuis la chute de nos premiers parents les ennemis innombrables sont venus des ennemis sont entrés dans ce monde pour faire la guerre au sein nous voyons les forces du mal qui semblent se décupler et qui nous attaquent et qui nous menacent le péché en nous-mêmes premièrement le monde ennemi de Dieu, les puissances démoniaques, la mort inéluctable. Oui, vivre dans ce monde est à la fois passionnant et périlleux pour nous et nos enfants. Merveilles à découvrir et à développer, dangers qui nous menacent de toutes parts. Et au milieu de tout ça, nous avons une joie. Nous avons une paix, nous avons une espérance bien plus belle que toutes les merveilles de la création et bien plus solide que tous les dangers qui peuvent nous menacer. Cette joie, cette paix, cette espérance se trouve en Jésus-Christ, en lui seul. Au terme de cet entretien dans la chambre haute, il est tellement bon d'entendre encore le Seigneur Jésus proclamer sa victoire et annoncer la paix à ses disciples. Je relis ici le verset 32, Jean 16, 32. Je vous ai parlé ainsi, et donc il rassemble plein de choses qu'il vient de dire. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu. Le monde. Cette belle conclusion nous confirme le thème de tout cet entretien dans la chambre haute depuis Jean chapitre 13, la paix du Christ au milieu de la tempête. C'est la victoire du Christ, de Jésus, sur le monde qui nous garantit cette paix. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors voici donc le thème, le sujet de cette prédication. Le Seigneur Jésus nous annonce sa victoire sur le monde que nous recevons par la foi pour notre paix. Alors je répète parce qu'il y a plusieurs éléments. Le Seigneur Jésus nous annonce sa victoire sur le monde que nous recevons par la foi pour notre paix. Et je vais attirer notre attention en particulier sur la foi, la dimension de la foi qui se dégage de ce texte mais bien sûr le reste tout le reste la victoire du christ et notre paix sont incorporés dans cette ligne concernant la foi premièrement la foi immature deuxièmement la foi inébranlable et, et troisièmement la foi victorieuse d'abord la foi immature donc oui nous arrivons à la fin de ce, ce magnifique entretien et alors un doute surgit à notre esprit à propos des disciples. Toutes ces belles paroles de Jésus ont-elles vraiment été utiles, efficaces Toutes ces grandes explications, ces douces réponses, ces magnifiques promesses ont-elles vraiment produit un effet dans le cœur des disciples Ou bien sont-elles entrées par une oreille et sorties de l'autre Jésus leur annonce la paix. Il l'a déjà fait depuis le début de cet entretien qui a commencé par ⁇ Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi ⁇ Pourtant, dans quelques instants, dès qu'il sera arrêté, puis condamné, crucifié, c'est l'angoisse qui les envahira. La paix aura disparu de leur cœur. À quoi bon donc toutes ces belles paroles de réconfort si elles ne produisent aucun effet. Et nous pouvons nous poser la question pour nous-mêmes, à quoi bon écouter la parole de Dieu, nous mettre à son écoute, si cette parole n'est pas vraiment puissante pour nous transformer, pour changer nos cœurs, nous apaiser? Et pourtant, les dernières paroles des apôtres ici dans cet entretien sont très encourageantes. Et c'est intéressant que Jean, donc, termine son récit avec des belles paroles venant des disciples. Verset 29. Ses disciples lui dirent, Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant nous comprenons ce que tu dis. N'est-ce pas un beau témoignage? Pensez-y par nous-mêmes. Nos cœurs pécheurs, endurcis, obscurcis, sont plongés, oui, dans l'obscurité, incapables de comprendre l'Évangile. Alors, quand une personne vient nous dire, eh bien maintenant je comprends la parole de Dieu, c'est très bon signe, c'est même très encourageant. Sûrement le Saint-Esprit doit être à l'œuvre dans le cœur de cette personne. D'ailleurs, ce ne sont pas des détails sans importance que les disciples affirment comprendre et croire. Ce sont des vérités fondamentales. Verset 30 Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Vraiment, c'est formidable. En écoutant toutes les paroles de Jésus, les disciples tirent la bonne conclusion. Tu connais tout. Tu es omniscient. Tu es Dieu. Tu es sorti de Dieu. Nous croyons que tu viens de Dieu. D'ailleurs, ce qu'ils confessent est fondé sur les paroles mêmes de Jésus qu'il vient juste de prononcer, au verset 28, ⁇ Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. ⁇ Leur réponse est claire. Oui, c'est vrai, nous croyons. Nous croyons ça. Ils n'ont pas dit le reste de ce que Jésus a dit. Je retourne aussi vers le Père. Ils n'étaient pas encore prêts à dire et à croire une telle chose, mais au moins, ils expriment leur foi dans l'origine du Seigneur Jésus. N'est-ce pas qu'ils ont fait du progrès? N'est-ce pas que tout cet entretien a eu son utilité? Écouter la parole de Dieu n'est jamais inutile. Étudier la Bible n'est jamais sans effet. D'aucune manière, certains, bien sûr, vont s'en éloigner sans qu'il y ait d'effet, mais sa parole est puissante et efficace pour transformer nos pensées et nos vies. Et pourtant, on se demande encore, est-ce que leur foi est vraiment réelle et sincère ou est-ce des paroles en l'air? Puisque la réplique de Jésus au verset 31 et 32 n'a rien de rassurant. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Et dans notre Bible, il y a trois points de suspension avec un point d'interrogation, une question Voici que leur vient et même elle est venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me, me laisserez seul. Jésus n'a pas l'air très très impressionné par leur belle confession de foi, n'est-ce pas Mais que veut dire exactement cette petite phrase Vous croyez maintenant avec un point d'interrogation En fait, dans le texte grec, elle peut se comprendre de deux façons. Ça peut être une question, comme ici, mais ça peut être aussi une affirmation. Le grec permet les deux possibilités. Si c'est une question, ça voudrait dire que Jésus met vraiment en doute leur foi ou même leur fait le reproche de ne pas croire. Croyez-vous réellement maintenant? Vous allez, de toute façon, à un moment donné, alors vous n'avez pas vraiment la foi. Ça pourrait vouloir dire ça. Mais si c'est une affirmation, ça voudrait dire au contraire que Jésus confirme qu'ils ont réellement la foi, mais c'est une foi immature. Oui, vous croyez maintenant, c'est bien vrai, c'est excellent, mais vous allez quand même m'abandonner parce que votre foi n'est pas solide. Alors que veut dire cette phrase Ont-ils la foi, oui ou non Dans le contexte, nous pouvons trouver la réponse assez facilement. Tout d'abord, Jésus vient juste de l'affirmer. Il vient juste de leur dire qu'ils ont cru en lui, qu'ils ont cru d'où il vient. Et puis, tout de suite après, dans sa prière en Jean 17, versets 8 et 9, nous voyons que Jésus dit à son Père, ⁇ Je leur ai donné, donc il parle de ses disciples, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. ⁇ ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Bien sûr, ils ont besoin encore de beaucoup de prières, mais Jésus le confirme. Effectivement, ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, aucun doute. Ils ont cru en lui. Leur foi est réelle et véritable. Le Seigneur Dieu a produit un effet dans leur cœur par toutes les paroles que Jésus venait de leur dire. Et donc, en Jean 16, verset 30, Jésus ne remet pas en question leur foi. Il n'est pas en train de dire, mais non, ça ne vaut rien, vous n'avez pas la foi. Il, il atteste qu'ils ont la foi, mais c'est une foi très immature puisque, pour l'instant, ils ne sont pas en mesure vraiment de goûter à la paix qu'il leur annonce. Puisqu'ils vont se disperser, l'angoisse va les submerger. Vous voyez, cette histoire est très riche en enseignements, n'est-ce pas? Évidemment, nous ne sommes pas dans la position des apôtres. Eux, à ce moment-là, étaient situés avant la mort de Jésus, sa résurrection et tout le reste. Nous, nous sommes situés après la mort du Seigneur, après sa résurrection, après son ascension, après la Pentecôte. Nous sommes beaucoup plus riches et nous avons beaucoup plus de substance pour nourrir notre foi. Et pourtant, notre foi, nous aussi, est encore souvent faible et immature. Nous connaissons bien et bien mieux qu'eux l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous avons ses magnifiques promesses. Et pourtant, et pourtant, nos cœurs se laissent si facilement troublé comment vivre le cœur en paix au milieu des turbulences alors voyez jésus ne méprise pas notre faible foi comme il n'a pas méprisé la faible foi de ses disciples ici eux l'ont abandonné lui ne les a jamais abandonnés nous tombons si souvent lui ne nous laissera jamais tomber. Nous sommes infidèles, bien souvent, lui demeure toujours fidèle. Quand nous péchons, Jésus le sait même d'avance, comme ici il savait d'avance que ses disciples allaient l'abandonner. Il nous a déjà préparé sa délivrance, comme il a préparé leur délivrance, leur restauration. Malgré nos échecs qu'il connaît d'avance, il nous aimera jusqu'au bout. Il nous relèvera et nous soutiendra. Alors soyons encouragés par cette belle parole. C'était donc la foi immature. Regardons maintenant la foi inébranlable. Mais où est donc la foi inébranlable? Où se trouve cette foi inébranlable dans notre texte? Certainement pas chez les disciples. Dès que les choses vont mal tourner, ils vont perdre courage, ils vont l'abandonner. La foi inébranlable se trouve à un seul et unique endroit. Elle se trouve du côté du Seigneur Jésus lui-même. Écoutez-le au verset 32. Et c'est sans doute peut-être la, la partie la plus belle, la plus riche de tout ce texte. Verset 32, Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Pensez-y un instant. La foi de Jésus demeure inébranlable depuis le début et encore maintenant et jusqu'au bout. Sa foi demeure ferme, le rendant capable d'affronter la pire tempête qui soit, la pire tempête qui s'approche de lui. Et qui viendra jusqu'à le frapper mortellement, honteusement, lui seul, pour nos péchés. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Les dirigeants juifs l'accuseront faussement et demanderont sa mort. Le peuple de l'Alliance, chéri par Dieu, réclamera sa crucifixion. Les représentants de l'Empire romain commettront la pire injustice alors qu'ils devaient représenter la loi. Satan déploiera toutes ses forces démoniaques contre lui. Même ses amis, ses proches, ses disciples, les plus proches, l'abandonneront lâchement. L'un d'entre eux le reniera trois fois. Jésus sait parfaitement tout cela, sans broncher, sans broncher. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Cette confession de foi est la plus belle et la plus forte et la plus magnifique des confessions de foi qu'on ne peut jamais prononcer ou entendre. Elle nous émerveille vraiment et il vaut la peine de s'arrêter, de s'y arrêter et de s'en émerveiller. Et pourtant, j'en entends peut-être déjà réagir et me dire, mais oui, d'accord, mais à la croix, Jésus dira quand même, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai, c'est parfaitement vrai, sauf que cet abandon du Père sera temporaire, limité à trois heures d'obscurité infernale sur la croix pendant que Jésus subira la terrible colère de Dieu contre mes péchés, contre vos péchés. Le reste du temps, le Père a toujours été et sera toujours avec son Fils, depuis le début jusqu'à la fin des temps. Même au dernier instant sur la croix, rappelez-vous, le Père fera de nouveau briller sa face sur son Fils, puisque Jésus dira, Père, reçois mon esprit entre tes mains. Oui, le Père l'abandonnera pendant quelques instants, mais comme une brève éclipse nécessaire à notre salut. Mais la confiance de Jésus en son Père n'a jamais subi la moindre éclipse. Sa foi est toujours demeurée inébranlable, à tel point qu'avant même de mourir, avant même d'être arrêté, il nous annonce ici déjà sa victoire sur le monde. Pour pouvoir faire une telle annonce, il fallait que sa foi soit inébranlable. Quand les choses vont mal dans notre vie, quand les inquiétudes nous envahissent au point de nous faire perdre notre paix, que faisons-nous Cherchons-nous un soutien en nous-mêmes Vaine recherche. Ça ne réglera pas nos inquiétudes. Alors peut-être nous nous tournons vers d'autres personnes, vers nos parents, nos amis, des personnes de confiance, vers des modèles dans la foi. Nous avons certainement besoin des autres, de leur soutien, de leur encouragement. La Bible nous, nous enseigne de telles choses. Elle nous dit l'importance d'avoir de bons modèles également et de trouver des encouragements auprès de nos frères et sœurs. Auprès de nos parents, de nos proches. Et nous-mêmes sommes appelés à être des encourageurs et à devenir des modèles pour les autres. Nous-mêmes, donc, avons ce rôle et pouvons rechercher aussi ce bienfait auprès de d'autres. Mais comme aucun d'entre nous ne possède une foi parfaite et inébranlable, et comme nous avons encore tous bien des faiblesses, eh bien, nous avons besoin avant tout de regarder à Jésus. Il faut toujours revenir à lui, compter sur lui plus que sur toute autre chose ou toute autre personne. Il est, lui, notre parfait soutien. Admirez sa foi inébranlable. Encore, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Chers amis, chers frères et sœurs, cette foi inébranlable de notre Sauveur est le fondement de notre salut. C'est ce qui lui a permis d'avancer jusqu'à la croix. Il fallait que Jésus soit tout seul. Il fallait qu'il soit rejeté par les siens, le peuple de l'Alliance. Il fallait qu'il soit condamné par les Romains, attaqué par Satan, abandonné de ses proches, pour aller seul à la croix, parce que lui seul pouvait porter et effacer notre dette, pour combattre seul pour nous, à notre place, porter seul la condamnation que méritaient nos péchés pour accomplir la parfaite justice pour notre salut. Il a été capable de le faire, il a eu le courage de le faire, parce qu'au fond, il n'était pas seul, et il le savait, et il en avait entière confiance. Le Père était avec lui, et Jésus-Christ avait entière confiance en la présence et dans le soutien de son Père céleste. Alors quand nous sommes ébranlés par les tempêtes, quand nos cœurs sont inquiets, quand notre foi vacille comme celle des disciples, quand nos modèles chrétiens même nous déçoivent, regardons à la foi inébranlable de Jésus notre Sauveur. Sa foi inébranlable nous garantit notre salut complet et parfait. Elle nous donne l'assurance que notre faible foi sera victorieuse. C'est ce qui nous amène au troisième volet, la foi victorieuse. La foi victorieuse des disciples, la foi victorieuse des chrétiens. D'où vient-elle cette foi victorieuse? De nous-mêmes qui sommes si faibles? Bien sûr que non. Elle vient du Seigneur Jésus, elle vient de sa foi inébranlable. Lui seul peut nous amener à croire en lui par son Esprit Saint, par sa parole. Et lui seul peut nous faire cette belle promesse au verset 33, qui est en quelque sorte le sommet de ce passage. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je vous ai parlé ainsi. Tout ce que Jésus vient de dire à ses disciples a pour but que vous ayez la paix en moi. Une promesse vraiment savoureuse. Bien sûr, leur foi est encore immature et tremblante. Ils ne goûteront pas tout de suite vraiment à cette paix, à tel point qu'ils vont l'abandonner. Mais Jésus ne va pas les abandonner. Il va les garder. Il va les relever, les remettre sur pied, les restaurer. Il leur donnera une foi solide. Avec un cœur rempli de sa paix et une bouche et des mains zélées à son service. Une promesse vraiment savoureuse pour nous aussi aujourd'hui. Nous en avons tant besoin, nous qui sommes engagés dans un terrible combat spirituel, menacés par tant de dangers qui nous environnent. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. Où trouver la vraie paix? En Jésus seul, sa paix nous suffit. Réconcilié avec Dieu par le sang de son Fils, il nous donne sa paix. Consolé et fortifié intérieurement par le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, il nous donne sa paix. Oui, la paix en Jésus-Christ, sous son aile protectrice, dans ses bras chaleureux, sous son regard bienveillant. Comme c'est bon et délicieux. Mais attention! Cette paix promise n'est pas synonyme d'une vie facile, tranquille et reposante. L'appel de Jésus à venir le suivre, ce n'est pas pour aller au Club Med, bien entendu, pas du tout. Jésus prend soin d'avertir ses disciples de ce qui les attend plus tard. Vous aurez des tribulations dans le monde, comme s'il n'en avait pas déjà assez au moment où il dit cette parole. Tribulation veut dire épreuve, détresse, pression, souffrance. L'épreuve et la détresse font partie de la vie chrétienne. Elle est faire partie de la vie des apôtres et de tout chrétien. Pour les apôtres, la pire tempête de leur vie, c'est quand Jésus va mourir, là, dans un instant, mais ce sera suivi d'autres tempêtes d'autres tribulations encore, mais toujours, toujours avec la promesse de la paix en moi. D'après cette parole de Jésus, il existe deux sphères d'existence, on pourrait dire, en moi et dans le monde. La paix en moi des tribulations dans le monde. Et les deux se juxtaposent, les deux sont en même temps. Les tribulations dans le monde sont certaines. La paix en Jésus est tout aussi certaine, mais comme une promesse à recevoir par la foi, et non pas comme quelque chose d'automatique ou comme un dû. Pour recevoir cette paix, il faut se mettre à l'écoute de sa parole. Je vous ai dit ces choses afin que... Alors se mettre à son écoute, la parole puissante qui va nous amener à croire dans ce que Dieu nous dit, saisir sa parole avec foi. La puissance de sa parole et de son esprit produira en nous cet effet très bienfaisant. Les tribulations dans le monde. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression la grande tribulation. Certains disent que c'était une période loin dans le passé, avant la destruction du Temple de Jérusalem en l'an 70, donc à l'époque des Romains. Une grande tribulation, bien sûr, à cette époque. D'autres disent que ce sera une période de sept ans après un supposé enlèvement de l'Église et avant un supposé millénium terrestre. Nous croyons plutôt que c'est toute la période entre la première venue du Seigneur et son retour en gloire. Elle est grande, cette tribulation. Pas forcément parce qu'elle est très intense, elle peut être intense par moment, peut-être qu'elle s'intensifiera vers la fin, mais elle est grande premièrement parce qu'elle est très longue, cette période, depuis l'ascension du Seigneur jusqu'à son retour en gloire. Donc nous sommes aujourd'hui dans la grande tribulation, comme nos pères dans la foi l'étaient aussi. L'Église dans le monde vit des temps de détresse. Alors, comment être rassuré? Comment être certain même de la victoire? Quand vous passez par une épreuve dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans l'Église, et bien sûr, ça vous préoccupe, ça vous chicote, peut-être ça vous angoisse, ça trouble vos pensées, vos cœurs. Quand vous voyez le mal qui progresse dans notre culture, ça peut faire monter en nous des inquiétudes assez profondes. Où trouver la paix En admirant la victoire du Seigneur Jésus, en admirant sa victoire qu'il a obtenue par sa foi inébranlable. À travers cette foi inébranlable, au milieu de son pire combat, quand ses proches l'ont abandonné, quand le monde l'a détesté au maximum, quand la colère de Dieu l'a frappé à cause de nos péchés, quand la mort l'a fauché, mais aussi quand il est ressuscité victorieux et qu'il est monté dans son règne pour avoir la victoire et célébrer la victoire la plus complète. Victoire sur le monde, victoire sur le mal, victoire sur le diable victoire sur la mort victoire sur nos péchés moi j'ai vaincu le monde et c'est vraiment ce qui est arrivé à sa mort à sa résurrection et à son ascension et alors sa victoire par son esprit saint par sa parole devient notre victoire sa victoire nous donne la foi victorieuse peut-être encore une fois faible et chambrannante mais victorieuse. Aujourd'hui, la haine du monde ne peut plus faire aucun mal au Seigneur Jésus. Il est au ciel, dans son règne, et il règne sur toute chose, sur toute puissance, bonne ou mauvaise, dans le monde. Le monde peut encore nous faire du mal, nous, son Église, mais par la foi, nous avons déjà part au monde à venir. Par la foi, nous sommes déjà victorieux comme le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Bien sûr, notre foi en Jésus-Christ. Jésus a déjà vaincu le monde, une fois pour toutes, alors tous ceux qui croient en lui, qui sont unis à lui, ont déjà la victoire avec lui, plus que vainqueurs. Oui, les détresses sont nombreuses. Mais notre victoire est certaine. Oui, notre foi est encore faible et souvent immature, et nous pouvons prier pour qu'elle grandisse et qu'elle s'affermisse et prendre les moyens de grâce que Dieu nous offre pour grandir dans la foi. Pourtant, malgré cette faiblesse, notre foi est déjà victorieuse parce que notre Sauveur est déjà vainqueur. Nous avons la paix en lui. Si aujourd'hui nous avons part à ses souffrances, demain, à son retour, nous aurons part à sa gloire avec lui. Alors prenez courage, prenez courage et recevez sa paix en lui. Amen.